toi, Seigneur, devant ta sainte présence, réaliser une fois de plus que tu es le Dieu de l'univers, le Dieu créateur de la terre et des cieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu maître, Seigneur, plus grand que tout, au-dessus de toute puissance. Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a donné la respiration. Et Dieu qui nous aime. Merci Seigneur. De pouvoir t'adorer, de pouvoir te connaître, de pouvoir te parler, de pouvoir être avec toi tout simplement. C'est un privilège Seigneur. Je vous lis quelques versets de Colossiens 3. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut. C'est aussi ça la louange, la prière, c'est avoir la pensée de Dieu, avoir les préoccupations de Dieu et le laisser nous parler dans nos cœurs, dans notre esprit, communiquer ses fardeaux, ses besoins, sa réalité. Seigneur, aide-nous à nous préoccuper de toi. Il y a tellement de choses sur la terre qui nous préoccupent tout le temps, qui prennent notre tête, que des fois même on t'oublie. Seigneur, on veut se préoccuper de toi, de ce que tu penses, Seigneur, de ce que tu veux, déjà pour nous, pour nos bien-aimés, mais aussi pour les autres, pour tous les habitants de la terre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il sera et toutes choses vous seront données en plus. Et toutes choses vous seront données.
Prions un instant ensemble. Prions pour comprendre les plans de ce royaume, pour saisir les promesses que Dieu a pour nous, pour saisir la volonté de Dieu pour ce royaume sur la terre, au travers de nous aussi, et comment on veut servir ce royaume ici-bas. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous donnes aussi ta parole qui nous parle maintenant. Et je vous encourage à écouter l'Esprit de Dieu, à écouter aussi sa parole. Il y a des choses qui vous reviennent à l'esprit alors que vous êtes en communion avec lui, dans un temps pour chercher sa présence, bien que le Seigneur vous parle par sa parole, par des versets peut-être entendus il y a quelque temps, des paroles que vous avez déjà reçues. Mais c'est ça qui nous donne vie, c'est les paroles qui viennent du cœur de Dieu directement pour nous. Merci parce que tu parles à ton peuple, tu encourages ton peuple à te chercher, à faire les bons choix. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont devant des choix dans leur vie. Vous avez souvent repoussé, vous avez souvent hésité, mais Dieu est en train de vous parler, de vous dire, c'est le moment de décider et de lâcher, de me faire confiance et de prendre cette direction dans laquelle tu sais que tu dois aller, même si tu as longtemps hésité, tardé à cause de toutes sortes de choses qui t'ont pris la tête, qui t'ont occupé. Le Seigneur aimerait t'encourager à prendre cette décision, à faire ce pas et puis à aller de l'avant pour son royaume. Vraiment, on est là dans sa présence, on est là pour l'adorer. Quoi qu'il arrive, on est là pour proclamer son nom. On est là pour dire qui il est. Se mettre un
des poids sur moi, ton amour et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Tes parfums, se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé et mon âme est enivrée. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu déploies sur moi ton amour et la grâce qui coule de tes lèvres est ton beau. Malade, malade d'amour. Oui, je suis malade, malade d'amour. Oui, je suis malade, malade d'amour. Oui, je suis malade, malade servir, pour vivre avec toi, pour te connaître. Tu es tellement bon pour chacun de nous et c'est un privilège d'être chacun en communion avec toi, là où on est. Tu nous aimes tous. Il n'y a pas assez de voix, même de chants, même de prières pour lui dire. Mes mots sont peu de choses pour te dire ma passion. Pourtant mon cœur explose pour chanter mon admiration. Comme un vrai diamant, tu resplendis de mille feux. Tu es si grand et si puissant, roi des cieux. Mes mots sont peu de choses, mes mots sont peu de choses pour te dire ma passion. Pourtant mon cœur explose pour chanter mon admiration. Comme un vrai diamant, tu resplendis de mille feux. Tu es si grand et si
peux pour te dire en retour avec tout ce que je peux. Merci pour ton grand amour, toi le seul vrai Dieu. Par ta lumière tu m'éclaires, tu es un ami si précieux, toi mon Père. Tu es mon espérance, ma joie, comme une fleur dans le désert. Tu es la vie, rien n'est plus beau que ton nom. Quand j'entends tes louanges, tu es bon éternel, toi mon Dieu. Louer c'est bien peu, louer c'est bien peu pour te dire en retour avec tout ce que je peux. Merci pour ton grand amour, toi le seul vrai Dieu. Tu as ta lumière, tu m'éclaires, tu es un ami si précieux, toi mon Père. Mes mots sont peu de choses, mes mots sont peu de choses pour te dire en retour. Pourtant mon cœur explose pour chanter mon admiration. Comme un vrai diamant, tu resplendis de mille feux. Tu es si grand et si puissant, roi des cieux. Tu es si grand et si puissant, roi des cieux. Seigneur, c'est vrai que quand on te loue, ça nous donne envie encore de te louer. Quand ta louange nous remplit, quand ta présence nous remplit, quand on entend d'autres te louer, c'est quelque chose qui grandit en nous. Et c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir se joindre à cette louange de ton peuple, Seigneur. Il y a tellement de gens qui te louent sur la terre. Peut-être qu'on ne les entend pas tous, qu'on ne les voit pas tous, mais quand on voit des gens qui t'adorent de tout leur cœur, ça fait naître aussi de la louange en nous. Et j'espère que ma louange vous encourage à la louange. Mais la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est aussi vous de louer Dieu. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre voiture, dans la nature, n'importe où, louez Dieu. Dieu aime votre voix, Dieu aime votre cœur, il aime votre louange et il est réjoui. Et c'est tellement la meilleure thérapie que Dieu a prévue pour nous. On le loue, on s'abandonne à lui, on lâche tout, on regarde à lui. Et puis, on le suit comme ça, on apprend à le suivre.